sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment faire une réalisation scientifique. Je voudrais partager les résultats de mes recherches. J'aimerais partager mon expérience en tant que chercheur. Effectivement, la recherche scientifique est un des problèmes majeurs des étudiants-chercheurs. En effet, la rédaction d'articles scientifiques n'est pas intuitive et les règles de publication sont souvent implicites. En tout cas, personne n'en apprend toutes les ficelles aux doctorants et aux jeunes chercheurs. Pourtant, c'est comme ça que la recherche se construit, dans un collectif de savoirs partagés et en permanence élargi au travers des publications. Avant tout, publier, c'est rendre visibles ses travaux et diffuser des connaissances nouvelles. Mais publier, c'est aussi garantir la paternité des résultats et obtenir des financements pour sa recherche, ou encore développer son employabilité et évoluer tout au long de sa carrière de jeune chercheur. Alors, doctorant, chercheur, jeune ou moins jeune, vous voulez présenter votre article, revue bibliographique, protocole de recherche ou expérience du terrain documenté. Lors de ces deux journées, vous serez plus sensibilisé et mis dans le contexte de la rédaction de revues de littérature basée sur l'évidence et utile pour la décision, la rédaction de policy brief pour créer un pont et une communication facile entre le langage des chercheurs et le langage des décideurs, du processus de rédaction et de soumission des articles scientifiques. Ces journées favoriseront la réflexion et le développement de la recherche en santé publique et management et seront également un lieu de rencontre et d'échange entre étudiants, chercheurs, organisations et acteurs en santé publique et management. Rendez-vous donc aux premières journées scientifiques de l'EISP sur le thème de la recherche en santé publique et management de la santé le 24 et 25 juin 2022 au Centre des congrès de l'Université Mohamed VI de Casablanca. Soyez au rendez-vous.